tombeau secret proche. Voilà, j'avais bien compris. Et on s'en secoue. Ok, donc là il va falloir se la jouer. Comment on appelle ça? Un peu téléphérique. Je vais essayer de grimper. Par ici alors. Voilà, du coup c'est bon. On va aller par là. On va aller voir de l'autre côté. Attends, il faut faire quoi en fait? Je réfléchis à ce qu'on va faire. Bon, au final, je te laisse, je vais au lit. Ok, bonne soirée, Rich. Espérant que le live continue à te plaire et pouvoir compter sur toi pour le troisième stream qui sera certainement le dernier. Ok, c'est quoi ici? Il y a un tunnel. On va continuer par ici. Bordel, je suis paumé nouveau. Attends. Bon, j'ai essayé de choper l'ascenseur. Mais non. Putain de connasse. Foutu de sauter correctement. Bon, voilà, on a dépassé les 2 heures, donc ça veut dire qu'il y aura quand même un petit montage. Enfin, pas de montage, mais qu'il y aura deux parties pour cette partie 2. Ça sera divisé, quoi, sur YouTube. Voilà, on est dessus, on va se laisser maintenant. Allez. Alors on y est normalement. Il est là l'autre con. Plein de bidons explosifs ce couillon. What? Ok, attends, on va attendre. Je vais attendre le bon moment. Allez, boum. Un de moins. C'est chaud d'avoir un headshot depuis ici. C'est chaud quand même. Mais ça peut aller. Ouais, ils vont certainement traverser puisque je vois qu'il y a des bidons explosifs de ce côté-ci aussi. Attends, je vais descendre. Voilà, tu es là. Je sens qu'il y en a pas loin. Bah, je me disais. Non, recharge plus vite. Crête, voilà, boum. On va arrêter de jeter des grenades, tout ça, c'est enfoiré. Crête, du sang sur les mains. Gagne quelques trophées maintenant. Ça, je peux les avoir au corps à corps, comme ça, c'est cool. Ça permet d'économiser les munitions, quoi. Bon, il n'y a plus grand monde sur le live, on n'est plus que 4. On va quand même continuer jusqu'à la demi-heure, on va dire encore. Jusqu'à 2h30, quoi. Et après, je pense que ça sera bon pour ce petit live. Pour cette deuxième partie. Boum. Est-ce qu'il reste beaucoup de survivants? Là-bas, il y a un bidon. Mais putain. 40 ans pour viser, c'est pas la fête ça. Mais c'est pas loin. Putain, ils font chier avec leurs grenades. Salut Corentin Star 59. Comment tu vas? Concentration. Putain, il m'emmerde avec ces grenades, lui. Hein. Sérieusement chiant. Voilà, en pleine tête. Hop. Crois que c'est un des grenades là-bas. Je crois que je devrais l'avoir avec ce bidon. Je crois qu'il a survécu quand même. Ouais. En plus, il y a une espèce d'armure à la gomme.
aussi de l'avoir en headshot. Voilà, il s'est explosé lui-même, c'est bon. Ouais, je suis occupé à faire un live sur Tomb Raider là. Aïe. Ce que je fais en let's play avec vous, let's play découverte. Là en fait c'est la deuxième partie. Si tu vois la rediff de la première partie, elle est uploadée sur YouTube. La rediff de cette partie va être uploadée sur YouTube également. D'ailleurs c'est bientôt fini là. On va dire on va encore jouer 25 minutes. Et après on arrêtera là pour cette partie. Cette deuxième partie. Du let's play live, du let's live comme j'appelle ça. Sur Tomb Raider. Avec Red. Et là, chef-le. Je me concentre. Putain, il est Terminator lui. Il est increvable tu vois. Boum. Comment je l'ai eu. J'ai l'impression qu'il repop à l'infini parce que. Ouais, j'ai l'impression qu'il repop en fait. Il a toujours envie ce connard. Dégage. On va essayer de traverser alors après. Putain. Oh fuck. Ouais, on est nouveau 8. On salue les 8. Enfin, il s'est tué par la grenade de l'autre. Non, t'as rien loupé de très important, Gogo. Non, allez! C'est rien! C'était un film pour que t'entendes pas que je parle, sinon tu seras convenu de m'emmerder. On t'entend! Bon. Pas de boule celui-là! Putain! Oh là là. Allez, on est hop, ça va le faire. Allez, ça va le faire. On y est presque. C'est bon, on a réussi. On a juste profité de la cinématique. Lâche tes armes ou on tue ton ami. C'est que ce bordel. Allez, je vais te profiter de la cinématique. C'est le papa. Ouais, je comprends, Gogo. Avec des vieux couillons. Bon, il a tué Grimm. Allez, on y va. Je dois rejoindre le palais. Hop là. On va choper ça et ça. Faut aller où bien ? Là-bas tout en haut. Faut choper le palais. Faut juste le palais. Allez, on continue. Tranquille, pépère. On va grimper ici. Salut Doudblé. Ou c'est tout là-bas. Ouais, donc à mon avis il faut aller par là. Du coup, on va se la jouer à la grimpette. Ah, je sens que ça va encore se casser au dernier moment, qu'il va encore falloir escalader avec notre crapin. Oh les enfoirés. Je me disais bien. On était sûr. Oh les connards. Je m'accroche vite. Cinématique. Oh, il s'est fait buter par je ne sais pas qui. Un de nos potes qui nous couvre. C'est cool, Master.
Allez, on continue. Ok, l'autre action sniper. Roth, je crois. Roth, voilà. Oui. Allez, on continue. Grimm est mort. Ça fait peu de taille. J'ai essayé de l'utiliser pour m'obliger à me rendre, mais il a préféré se sacrifier. Eh ouais. Grimm. Honte de jouer à Call of Kiku. Foutue tête de bulle. Je suis désolé, Roth. Non. Allez, on continue. On ne l'oubliera pas. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentré chez nous. Je vais essayer de me rapprocher. Tu crois que tu pourras me couvrir ? Allez, on continue. Écoute-nous bien, Ross. Oui. J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Bah c'est bon, alors on peut y aller. Ok. Tu te fais draguer, Hugo. Allez, on continue. Un petit feu de camp. Chauffer le point de compétence. Envoie un signal. Je vais chercher ça, mais... Force accrue vous permet de transporter un maximum de munitions. Ça, c'est bien, ça. Je chope ça. Voilà. Plus de munitions sur moi. Ça, c'est parfait. Allez. C'est par là. Ok, on va aller au palais. Je crois qu'on va s'arrêter devant le palais. Allez hop. A plus Corentin et bonne continuation à toi aussi. Merci d'être passé. C'est exactement ce que je craignais d'entendre. Traverser par en dessous. Je te couvrirai. Eh ben. Eh ben dis donc. T'es portugais maintenant. Et hop là. On continue. Tranquille pépère. Bon, on va aller par où maintenant? Ok, c'est par là. On continue. On approche du palais. On va dire, on va s'arrêter après. On va construire le palais. Enfin, je sais pas, on va encore un peu continuer. Bah, continue. Hein. Bute-les alors. Hop là. On continue vite fait. T'as nous entendre, l'enfoiré. Vous avez entendu, je crois. On a envie de continuer. Putain. Oh, il s'est fait sniper. Putain, il y a des trous de feu là qui sont gros cul, enfoiré. Allez, grimpe. Ça va, ça. Mais ça pourra aller mieux. Allez, grimpe. Il sert à rien l'autre sniper là. Ok, bon, j'aurais dû l'écouter. J'aurais peut-être dû l'écouter en fait. Allez hop là. Bon, je vais attendre le bon moment alors. Je crois que j'allais tomber, c'est... enfin c'est pas moi. Stop, attends, je l'ai presque. J'attends alors. Vas-y. On y va. Stop, attends, attends. Ouais, j'attends. Lara, la voie est libre. On y va. Merci de m'avoir couvert. Ah, si la voie est libre, on y va. Hein. Lara, il y avait encore un survivant, putain. Oh, c'est chaud. Putain, c'est chaud.
Voilà, là, j'ai débougé. Ils nous ont vu maintenant. Ah, fuck. Bon, je me concentre. Putain, c'est encore un truc super chaud. Ah voilà, je sais pas par où il fallait aller. Allez, go. Salut le bossail. N'hésite pas à follow le Twitch. Il faut aller où en fait ici? Ok, là-bas. Allez vite. J'y vais. T'es sûr de vouloir faire ça? Je vais les chercher, Rance. Apparemment, la vague 15-18 est finie. Ouais, on dirait bien. Non, je pense qu'il n'y avait pas tellement de gars du 15-18 hein, finalement. Il doit en avoir 4-5 quoi. Tu les avais bannis quoi. Parce qu'après, c'est des gens un peu sérieux, on va dire, qui faisaient des débats, qui posent des questions et tout. On fait grimper là-bas en haut. Sachant qu'il y a des ennemis. Je laisse profiter de la cinématique. Dans l'autre monde, nous n'étions rien. Mais ici, ici, nous sommes les Solari, les enfants de la reine solaire. Elle nous a amenés ici pour une raison. Je sais aspirer à être libre. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, ça, c'est des malades. Nous devons libérer notre reine. Comme nous, elle est prisonnière. Ouais, ils sont au lit, ouais. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Il veut la sacrifier, ce malade. Le sang de cette île coule dans ses veines. Et en plus, comment dire, le rituel des flammes va nous montrer. Ils veulent faire une espèce de secte avec un gourou. Tu es le commencement et la fin. Fais entendre ta voix. T'as envie de tirer un coup d'arc? J'espère que c'est pas déjà le boss de fin. Tu as tué notre frère. Maintenant je vais te tuer. Oh putain. Ça c'est pour flatter sa chèvre. On prend chien dans la gueule. Dimitri, Nikolai, amenez-la moi. Ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré. C'est des fanatiques complètement tarés. Allez, je laisse quand même profiter de la cinématique et je ferme ma gamelle 2 secondes. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Par contre, Gogo, c'est comme pas le boss de fin ici. Je ne pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères. Notre reine va bientôt nous parler. Parle-nous, Himiko. Parle-nous à travers les flammes. Kayane. Je suis désolée. Regarde-moi. Il y a le vent qui est pas content. Elle est l'élu. Bientôt, mes frères, nous serons libres. Emmenez-la dans la salle du trône. Ton combat est terminé, créature. Ah.
On a fait plouf dans, dans le sang. Là, on se croirait dans, à la Rambo, mais. Allez, on est parti. Lara Croft Rambo. Enfin, on verra. À mon avis, il faudra encore deux lives pour le finir, alors. J'ai compris le boss, t'inquiète. Comment on fait pour couper ça? Attends, je vais te faire voir. Si je tire dedans. Ok, c'est bon, c'était ça qu'il fallait faire. Mais je trouvais plus sa jambe, mon colonel. Putain, ça repop aussi sec? D'accord, ici. On va vite courir alors. Bon, on est obligé de prendre des coups en fait. Cool, un petit feu de camp. On va vite voir. Bon, pas de point d'amélioration, on s'en fout. J'ai encore amélioré le journal de Lara. Ça, c'est juste du collectif. Encore un collectif du coup. Tire une fois et vas-y vite. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est le feu. Nous avons découvert le feu. Bon, alors on va encore un peu continuer. Et après, on s'en arrêtera là. Talon. Prie pour qu'il te tue là rapidement. T'as un monstre, une bestiole ou des loups, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a comme bestiole. Ouais, je me doute, Gougou. Mais bon, à mon avis, encore deux lives et ça devrait être fini. Enfin, j'irai voir quel chapitre j'en suis après. C'est quoi ça? Des gens au slip. Faut aller par là. Bon, on va aller voir par là. Mon avis, on va rien pouvoir faire pour l'instant. Oui, oui, oui. Ok, c'est bon, c'était ça. À la moitié, bon, je suis à la moitié, alors c'est cool déjà quand même. Comme j'ai bien avancé. Crève, toi. Toi aussi. Putain, ils sont un peu trop nombreux en fait. En pleine tête. En pleine tête. Boum. J'ai plus que l'arc en fait comme arme, j'ai plus aucune autre arme. Putain. Putain, j'ai passé dans pas long là, je le sens. Bon, on verra si j'essaye le multi en live ou pas. Crève. Bon, à la limite, on va essayer de passer cette face-là encore une fois. Et après, on s'arrêtera là. Quoi ? Je vais aller voir. Mais quoi ? J'ai plus d'armes.
What the fuck? Il faut ramasser ici en fait. Je vais essayer de le niquer par derrière. Mec. Voilà, je l'achète. Hop. Il m'a vu le connard. Crève. Crève. Voilà, déjà deux de mort. Et encore qu'ils vont se ramener. Concentration. Putain, que l'enculé. Bon, allez. On continue. Moi, j'ai encore jamais essayé le multi, hein, comme je découvre le jeu avec vous. Bon, je vais attendre qu'il passe pour l'avoir par derrière. Puis je vais essayer de buter l'autre aussi. Puis voilà. Oh, j'essayerai pas aujourd'hui par contre. Et concentration. Putain, quelle andouille. Voilà, deux headshots à la filet. Concentration. J'ai plus de munitions. Je vais vite ramasser des flèches. On a plus. J'ai plus de flèches. J'ai plus l'avoir encore à corps en fait. Putain, j'arrive pas. Putain. Oh, ça me pète les couilles là. Ça me fait chier grave. Ouais, je réessaye. On va essayer de passer ça. Putain, mais je vise n'importe comment, mais c'est pas vrai. J'espère qu'il va s'exploser lui-même. En fait, non, ça a foiré. Je vais ramasser, il y avait un truc ici par terre. Il faut que je ramasse des flèches sur leur corps. Oh. Putain, mais bouge, petite pute, j'en ai marre là. Ouais, je vais d'abord essayer de les buter en discrétion, les premiers. Et après, j'utilise l'arc. Je vais attendre ici. Allez go. Je vais attendre. Concentration. Voilà, je vais choper par derrière maintenant. Mais, putain non, c'est quoi ça? Ça le jeu de merde. Ça foutu jeu de merde. Lui m'a vu. Oh mais c'est une grognasse Et on continue. Et on va se concentrer ici et attendre. Ouais.
Par contre, j'ai mis un poke dans le micro, vous m'entendez encore? Ah, vous m'entendez encore bien? Ok, merci Gogo. Merci le boss Aïe. Ah, je vais t'étrangler. Déjà un, comme ça il risque pas de revenir lui. Vite aller voir pour choper l'autre maintenant. Mais d'où il me voit? Mais qui me fait? N'importe quoi. Trouver tout ça dans le jeu. Ah, il est mort. Voilà, j'ai ramassé 7 flèches. C'est parfait. Ça va le faire, allez, ça va le faire. T'es pas encore mort. Ouais, il est mort. C'est bon, je les ai tous eus. Enfin. C'est toi que t'as CDI, toi. Hop. Ouais, j'ai full flèche. Ça, on s'en secoue. Encore des collectifs. Alors. Comment on va faire ici? C'est bien par là, ouais. Donc comme d'habitude, il faut faire péter le truc là. Boum. Ça a pas l'air d'avoir fait des marches marché. Faire quoi ici? On va aller là-bas en haut déjà. Ouvrir ça. Boum. Yep, je l'ai fait. Ah cool, il y a un feu de camp. Bon, j'ai pas de combat de compétences, donc on s'en fout. Je crois que maintenant, du coup, le passage doit être ouvert. Ouais, c'est bon. Ouvrez le feu. Allez, on y va. Boum. Boum. C'est bon, je les ai eu. Ils sont moulus. On continue. On va grimper là-bas en haut. C'est pas par ici? Attends, on a dit, il faut faire un truc. Ok, c'est par ici. Le piolet. Piolet qui marche mes fesses. Petit coup de piolet, petit coup de piolet, petit coup de piolet. On continue. Crève. Et toi, comment il a le temps de crier lui? Il s'est pris une flèche en pleine tête. Boum. Boum. Tu vas foutre le feu, ouais. Putain, je me disais bien. Bon, allez. On continue encore un tout petit peu et après on s'arrêtera là.
pour ce live sur Tomb Raider. Allez, crève-toi. Boum. T'as comment qu'ils ont pris cher leur gueule. Ils sont tous morts en fait. Ouais, je l'ai fait. Et ils sont tous moulus. Ils ont fait boum. Ouais, encore feu. ok, donc là il faut faire ça. Je crois que je suis trop loin. Ah non, c'était bien ça. Non. Non, c'est pas ça. Attends, je vais essayer de l'autre côté, du coup. Ça va pas. Je vais essayer avec ça. Ok, à mon avis, le sous-explosion te fait propulser ça là où je veux. Tout à fait, ça a bien marché. Nickel. Encore deux. C'est la petite pipette ici. Et ici c'est bien feu. Hein. Ils aiment le feu. What? En fait on va plus te courir avant de crever. Pfiou, c'est bon. Bande d'agressifs. Allez hop, le vieux c'est de Grimm sûrement. Voilà hop. Il faut aller là-bas tout en haut en fait. Bon bah continuons. Allez, pause deux secondes, il faut envoyer un petit SMS. On reprend. Ouais, beaucoup trop de feu là. Ils sont un peu délirés. Bon, il faut chauffer à moins de grimper là-haut. Merci le Bosseil et salut alors si tu y vas. Ta gueule. Ils m'ont entendu, je crois. Allez. Qu'est-ce qu'il me fait, la grognasse de pute, là? A bientôt. C'est bon, je l'ai eu. Ok, il fallait les tuer pour débloquer la cinématique. Wow, Lara, la guerrière! Comment t'es arrivé jusqu'ici? On m'a aidé. Grimm. Oui. On les a sauvés. Il s'en est pas sorti. Plus c'est Harry Potter. Il y a Harry Potter dans la cage. Je le croyais invulnérable, ce type. Il s'est pas laissé faire. Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman? Visiblement, il n'est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Chobiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Oh là là. Et Sam aussi. Je suis sûr que Whitman, c'est un traître. Je vais trouver une solution. Qui va aussi ramener Emiko à la vie. Allez. Faut essayer de desserrer ça. Bon, il faut aller là-dedans. Bon. C'est pas vrai. Il
font un truc avec ça en fait. Bon, continuons. Bon, et continuons tranquille. Alors, c'est pas beau ça. On a fini par le trouver, ce fichu royaume perdu. J'imaginais pas ça comme ça, hein. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, il faut aller où là? Leur chef est convaincu qu'elle est l'élu. Ah, super. Ils ont leur propre Charles Manson alors. Bon, il y a ça là-bas. Mathias. Charles Manson. J'espère qu'on la trouvera. Une chose à la fois. D'abord, il faut qu'on sorte de cette putain de cage. Ok, on va ouvrir ça en fait. Ok, c'est à toi de ça. Et choper l'arc. Et boum. Ouais, c'est bon. Ils sont libres. Choper des flèches. Je peux regrimper par là. Nickel. Bon, allez, on va les faire sortir. Boum. Bien sûr, j'ai compris ça. Salut, de père d'Atlus. Ça perd de marcher des maths. Voilà, c'est bon. Réussi. J'ai tout carassé. Mais non, Hugo, t'inquiète. Merci, Jonah. J'ai chaud. C'est bon, je crois. Ça va tomber. Oh, on a perdu le plancher de la cage. Regarde en bas, mon dieu. Il y a plus de plancher. Ils sont tout cassés. Faut qu'on sorte de ce truc. Oh merde. On peut bouger, nous? Ok. Lara, sois prudente. Regardez où vous mettez les pieds. C'est en train de. Ok, c'est par là. Hop, on remonte. On est allé par là. Rilo, il a fini son life en fait. Go. Boum encore. Yolé. J'ai envie de faire ça. Boum. Ça va pas suffire, Lara. Bon, faire quoi alors? Ok, il y en a deux en fait. Il va faire plus de 10 heures au final. Ça va faire 11-12 heures. C'est bon là ou pas? Si tu atteins les deux conduites à la fois, ça peut marcher. Comment tu veux qu'on atteigne? Ah ouais, je crois que j'ai compris en fait. On va faire comme ça. Boum. Voilà, il faut sauver. Ils sont sauvés. Apprenez-le et barrez-vous. Je vais chercher ça, mais Whitman. Et nous, on va aller par là alors. Faut sauver Whitman aussi. Alors que je sais que c'est un enfoiré, oui. Ah, vite, on va grimper. Hop. Hop là. Chocolat là. Plus de temps de chargement. Pas où vous allez. On est sorti, mais tout est en train de s'effondrer. Arrête de se barrer du palais. Boum. On continue. Trouver Sam. Ok. Envie de faire pied de biche. L'actuelle forteresse de Solari. Elle a continué encore un tout petit peu.
Et après, on va s'arrêter là quand même pour ce live. On sert à rien en fait. Barrons-nous. Alors, ça joue limite à la Prince of Persia ici. Ah, on avance. Tombé. Tu regardes 3 lives maintenant toi. Eh ben. Allez vite. Yop là. C'est par ici en fait. Coup de pioche. Hop là. Jigsaw il est déjà au lit depuis longtemps je parie. Et là on continue. Hop. S'occupe pas trop d'eux. Voilà. C'est Mathias. Personne ne part. J'ai entendu ça en japonais avant que l'avion s'écrase. Tu peux le casser. Je coûte 10 euros. 9 sur PS3, c'est vrai. Allez, on va vite continuer. Hop là. What? Ok, la porte là, qui revienne. Et je l'avais pas vu. Alors, gogo, j'ai que celui de Joe Hit depuis longtemps, je parie. T'as les mettre en foros. En pleine tête. Crève. Allez, concentration. Il bosse à la mine, ouais. Ouais, il est mort. Faut aller où maintenant? Je sais pas. Enfin, si c'est par là. On va y grimper. Hop, hop, hop. On grimpe vite fait. Ouais, bon allez. Petite cinématique. Ah c'est white machin. On peut se profiter de la cinoche. Vous aussi? Enfin je veux dire, ça va? Vous n'avez rien? Dès qu'ils ont cessé de nous voir comme menace, j'ai pu me déplacer plus librement. Vous étiez au courant pour les autres? Oui, 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 et Sam est là-bas. Mais il m'aurait fallu une arme pour la libérer. C'est cela. Ce sont des merveilles anthropologiques, Lara. Ce sont des psychopathes, Dr. Whitman. Il faut qu'on aide nos amis à s'enfuir. Bien sûr, je fais le gay ici. Vous me dites quand la voie est libre. Oh, mon dos. Je vois ça, gogo, ma frangine s'est fait draguer sur Call of. Et je crois que tu ne comprends pas. Tu as été choisi, ça. Et je vais profiter de la cinématique. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi, mais tu es arrivé. Je vous en prie, vous croyez que je suis spéciale, mais je ne le suis pas. Je ne veux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux, il s'agit de ce que tu es.
Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais, Samantha. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça? Tu cherches la logique et la raison là où il n'y en a pas. J'ai fait la même erreur autrefois. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne s'écraseraient pas. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. Quel malade, celui-là. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, de cette île? Mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha? C'est un grand malade, celui-là. Tu veux nous libérer de tout cela? Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel temps. L'incendie se propage. L'autre fille, ah, c'est nous ça. Il est temps d'en finir. Dimitri, tu ne la quittes pas des cieux. Dimitri. Ils sont tous à la même gueule, pratiquement, les ennemis. Ouh, il a pas fait long feu, lui. Dieu merci, t'es là. Je peux pas croire que je deviens folle. Ça va aller. Tout va bien se passer. Mes armes. Comment on va faire pour sortir de là? Il faut qu'on parte avant qu'ils reviennent. Whitman! Whitman! Je pense que Whitman est encore parti faire une couille. Je suis sûr que lui c'est un traître. Qui veut ramener Himiko à la vie. Voilà. Fuyez, Lara. Fuyez. Fuyez. Ok. Retourne dans la salle du trône. Ça pète bien ici. Continue, Sam. Je trouverai une autre sortie. Ça pète bien. Allez, on se concentre. Ok, on a... On a... Bon. Kalashnikov. Putain. Ouais, on s'en fout. Concentration. Et je n'ai plus à plat où j'étais. Oh fuck. Oh putain. Bon allez. Nous on va aller à 3 heures de live et on va s'arrêter là. Allez boum. Au moins là derrière on a l'abri. Enfin ils peuvent quand même le casser les enfants. Hein. Allez, concentration. Zoom. Il y en a là-bas. On check leur grenade. Faut aussi se poser lui-même. Voilà, il est mort. Voilà, il est mort aussi. Je me concentre. Le dernier survivant là-bas avec ses grenades à la con. Ouais, je l'ai eu en pleine tête en plus. Et hop, hop, hop. Voli, voli.
Ils font chier, mais ils ont des espèces de sceptres. Putain. Moi, il y avait un checkpoint. Ouais, il est enfin mort. Je paye vous de cet enfer. Il faut aller par là. Par où se rentrer, quoi. Allez, vite. On lui fait partout. Allez, vite. Putain, quand ça me saoulait. Moi, il y a le checkpoint juste là. Après. Mais normalement, la plupart explosent avec l'explosion là. Crête aussi. Voilà. Ramasser des munitions. Voilà, voilà. Putain, d'où il me touche aussi loin, lui. Attention, il va dépasser les 3 heures de live. C'est grave si j'ai pas les 3 heures de live, gogo. Putain. Tu lèves. Oh, culerie, va. C'est grave si je l'ai passé 3 heures et c'est parce que quelque chose de grave, alors on peut pas uploader, je sais pas. Allez, à l'autre. Vite recharger. Ramasser des munitions. Il va crever, lui. C'est bon, il est mort. Il était chaud, celui-là. Attention. Dégage toi. Crève, voilà. Et on y va. Puis ramasser la munition. Headshot. Headshot. Putain, il peut tirer à travers le décor. Je lui en headshot. Voilà, crève. Ok, dis-lui de venir sur mon live plutôt. Non, je plaisante. Ah, j'ai réussi. Putain, l'enfoiré là. Pour la reine, trouvez-la. La fille est à moi. Quel enfoiré celui-là. On va avancer. Hop là.
Putain, c'est pas possible. Puis j'ai compris. Je vais attendre le bon moment. Mais non. Boum. Quelle andouille celle-là. Pourquoi t'as pas utilisé ton flingue pour le buter? Qui tu es là en fait? Elle tire. Boum. Putain, je suis mort. Connerie. Hop là. Fini, allez. On va achever le Terminator. Oh merde. Boum. On s'achappe. Ouais, c'est bon. C'est du tout bon. Bah, ce passage, il était pas très long, Gogo. Ouais, faut aller par où, mais par contre. Appuyez sur R1. Par là, alors. Ok. Ils vont s'enfuir maintenant comme des lâches. Attendez, c'est pas vous louper. Boum. Boum. Putain, j'ai plus de grenades en fait. Oh putain, ça m'énerve. Bon allez, on continue encore un peu. Et après on s'arrêtera vraiment parce que sinon c'est pas possible. Allez. C'est où dans ce grenade maintenant? Enfin, si c'est comme ça dans le coup. Voilà. Putain de crevasse. Oh putain, mon dos. On le ramasse et hop hop hop. Et on y va. Boum. Terminator lui. Boum. Boum. J'arrive pas à les avoir aussi loin. Boum. Voilà, je les ai eu. Enfin non. Voilà, mais non, ouais. Toujours pas. Bon là quand même.
peut grimper. Si, si, je vais arrêter, t'inquiète. Ça fait encore boum. Allez, go. On est obligé de faire exploser la grenade alors. C'était bien ça. Bon, ils veulent l'arrêter. Bon les gars, on va s'arrêter là quand même parce que ça commence vraiment à durer là. On se retrouvera pour le prochain live peut-être demain. On verra sinon on arrivera à finir dans cette troisième partie. Enfin peut-être si on joue encore 3 heures, ça sera peut-être finissable en une troisième partie. Sinon on fera deux parties, mais je ne sais pas quand je ferai la quatrième. En tout cas la troisième, ça sera certainement demain. Enfin je vous tiendrai au courant sur Facebook et Skype de nouveau et sur YouTube demain matin. On verra si je le fais ça demain soir ou pas. Donc voilà. Moi je vous dis salut à la prochaine. Donc bye bye tout le monde. Ça faisait plaisir, on a quand même encore été assez nombreux, c'était cool. Salut tout le monde, j'espère que le live vous a plu, bye. Allez, je coupe. Salut.